Oh, le pauvre. Non, mais sérieux, quoi, l'enfermer comme ça. Bah, c'est pour lui sauver la vie, hein. De l'essence. Hein? De l'essence. De l'essence. Ah oui. Coucou, petit. Alors, Patrick a ramassé ses gentils rapaces. C'est quoi comme espèce? C'est une buse. Une buse? Buse, buse. Buse, B-U-S-E. Une buse. Ah, je connaissais pas. Et il reste immobile, hein. Il mange quoi? On va le nourrir? Ben, on va pas le garder, de toute façon. De toute façon, on pourra pas le nourrir. Nous, si, on peut le nourrir avec du pigeon. On décongèle un pigeon, on le coupe en morceaux, on le donne des morceaux, des bouts. Tu veux du pigeon? C'est le seul moyen. Patrick l'a ramassé au bord de la route. Et on lui a fait une petite case. Apparemment, ses ailes fonctionnent. Tout fonctionne, sauf ses pattes. Ses pattes sont complètement inertes. Donc, elle a forcément une fracture de la colonne vertébrale. Oh. Donc, il y a des centres qui peuvent la sauver, mais nous, on peut pas. Ah ben, c'est sûr. Je ne vais pas l'opérer. S'il y a un centre spécialisé dans les environs, on l'emmène. Et sinon, ben... Oiseau mort. Tu sais quoi? Je vais lancer le message tout de suite. Donc, les gens qui nous regardent, si vous connaissez un centre spécialisé autour de Dijon ou Grès, merci de me laisser ça en commentaire pour sauver ce gentil rapace. Elle bouge pas, hein, elle fixe les yeux. Hein. Attends, je vais la faire bouger pour que tu... Quoique non, c'est... Non, ça sert à rien du tout. Autour de Dijon, Grès, il y a quoi d'autre? Besançon? Non, Langres. Langres. Si vous connaissez un centre qui peut s'occuper de ce petit, merci de nous signaler. C'est une buse variable, adulte, qui peut voler, mais ses pattes sont inertes. Ok. Ça marche, je lance les messages. Mais déjà 14h, on va essayer de joindre le veto. Pour demander aussi l'avis. Bye!